Bonjour à tous, bienvenue sur Ringwatchcraft pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Je pense qu'on arrive vers la fin de notre série, mine de rien, parce que vous voyez qu'on est... Bah, en théorie, on n'est qu'à 5 missions sur 8, mais alors vraiment, je commence à galérer et j'hésite à... Il y en a beaucoup qui me disent, mais si jamais tu vois que tu perds, retourne au menu principal et on recommence. Je sais pas si j'ai envie de faire ça, peut-être. Peut-être. J'ai pas rejoué depuis la dernière fois, mais je me suis calmé, j'ai un peu oublié le fait que le jeu était enrageant parfois. Donc pour l'instant, on va reprendre là où on s'était laissé, et puis comme précédemment, je vous fais des grosses ellipses. Certaines personnes, visiblement, ça les dérangeait, mais franchement, vous êtes largement gagnant, parce que ce que j'ai tendance à vous enlever, c'est quand je fais que voler sans rien faire de particulier, et enfin, franchement, vous loupez rien, quoi. Oh, c'est arrivé parfaite. Alors, je viens juste d'arriver très proche de là où je devais aller, visiblement. Hop, parce qu'il me semble que mon objectif est par ici. Et en gros, je viens juste de repasser sous l'altitude moyenne. Je me suis pris aucun canon flak. Par contre, bon, vous voyez que j'ai quelques petits trous. J'ai eu peut-être 6 ennemis, quelque chose comme ça. Ça va, c'était pas trop compliqué. Ils ont un petit peu tapé. Tiens, lui, j'aurais dû l'envoyer... j'aurais dû l'envoyer, mais comment dire, se soigner, mais c'est pas grave. Hop, on va commencer par ça. Et d'ailleurs, toi, du coup, hop, allez, zou. On sélectionne ça et on va bientôt ouvrir les portes. Pour l'instant, je suis assez surpris, il n'y a personne, ce qui est plutôt pas mal. Mais ils ne vont pas tarder à sortir de nulle part, je pense. Alors, on va ouvrir les portes. Ah, et voilà. Hop, ça c'est fait. Ça va être compliqué, on va pas pouvoir prendre les trois. Je pense que je vais prendre lui, celui-là, et après je vais revenir pour le dernier. J'ai l'impression qu'on est lent, je sais pas. Ah, peut-être que je suis en lean. Hop. Allez, une cible de fait. Bientôt la deuxième. Et hop, nickel. Hop. Attends, j'ai vraiment l'impression qu'on est très très bas pour lancer tout ça. Hein. Je suis assez tenté de partir en altitude moyenne. Hop. Fermez les portes. Remonte. Et maintenant, on va se casser. Avec évidemment le système électrique qui ne marche pas. En plus, on voit rien à cause de la lumière. Et évidemment, maintenant, on se tape tous les ennemis. Et ça, c'était assez prévisible. Ok, cool. Je pense qu'on va y arriver. Alors, concentre-toi. Toi, fais-moi des incendiaires. Ouh, t'es sérieux? Tiens, toi, viens là. Et... Oh, t'es sérieux? J'ai pas les extincteurs. Ah, c'est dommage, ça. Toi, vas-y, viens ici. Et est-ce que... Non, il n'y a personne... Sérieux, il peut tirer sur personne, lui? Bon, bah, reviens là, écoute, qu'est-ce que je te dis. What? Ils m'ont détruit... Non? Ah, non, j'ai juste perdu... Je croyais que j'avais perdu un gars aussi. Hop, on va prendre ma trousse de soins. Puis après, lui, il va aller se reposer aussi. Ouh, c'est un peu plus chaud que je le pensais, hein, cette... ce départ. Évidemment... T'es sérieux, j'ai aucune autre trousse de soins. Mais sérieux... Ça c'est parce que j'ai pas manuellement fait le tout ça et voilà ce que ça donne. Il est où mon... Tiens, toi, viens t'occuper de ça. Hop, toi, viens. Non, toi, viens. Toi, il faut absolument que tu ailles te reposer. Oh, t'es sérieux. Super, génial. Bah écoute, toi, va te reposer du coup. Ouh, ça sent pas bon là. Ouh, c'est vraiment compliqué, regardez-moi ça, ils sont en train de vraiment tout défoncer. Déjà, il me reste qu'un seul moteur, ok, d'accord, donc on va faire un atterrissage d'urgence. Ouais, on va faire un atterrissage d'urgence parce que là, il me reste plus... Il me reste qu'un seul moteur qui lui-même est en train de prendre cher. Sortir le train d'atterrissage. On va faire ça en pleine mer, sans équipement particulier pour ça, je crois. On va voir, je ne sais pas trop si vous allez survivre, mes cocos. Ah, c'est abusé. Non, mais le pire, c'est que... Donc... Bon, je peux toujours recharger, là, à partir. Mais vous avez été beaucoup à me dire, fais des missions plus faciles.
Et c'était une mission qui était censée être genre moyenne. Je veux dire, ça va, quoi. C'est pas censé être trop compliqué. Ah non, ça me saoule. Ok, donc je vais recharger la partie et on va voir si j'arrive à le faire mieux. Mais peut-être que tant que j'ai pas un avion dont je suis content, je devrais faire que du vert. Mais la dernière fois, j'ai fait du vert et je suis mort aussi. Donc je pense vraiment qu'il y a vraiment un problème de comment dire, de vrille. Si jamais on commence à. C'est ce que je disais, si on commence à perdre, c'est fini, quoi. Oh, Bruno, là, il est en train de prendre méga cher. Ça fait plaisir à voir. Hop. Tiens, toi, remonte. Oh, mais le mec. Tout ça parce qu'on s'est concentré, c'est tout. Ça suffit. Ah, bah, waouh! Il s'est fait démonter. J'avais jamais vu ça. Et encore, vous avez loupé la majorité. Mais alors, vraiment, je vous ai ramené très rapidement. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça a été. Super. Donc, pour vous donner une idée, donc le save scumming n'a pas marché. Visiblement, le jeu avait sauvegardé le fait que j'avais perdu. Et il m'a proposé juste une mission, soit des missions difficiles, soit une mission moyenne, celle que je suis en train de faire, qui est ultra facile. En fait, j'ai déjà terminé. Là, regardez, j'ai pas pris beaucoup de dégâts. J'ai buté un ace parce qu'il était tout seul. Et je suis en train de rentrer à la base avec tous mes nouveaux mecs et tout. Pourquoi t'as une nouvelle trajectoire là-bas? Ah non, faut que je nettoie les ennemis. Ah, il y a des ennemis, très bien. Hé, hey, Bruno Brennen, adieu. Bon, bah du coup, en fait, il n'y avait pas d'autres ennemis. Visiblement, je les ai tués tellement vite que la mission a bugué. Ce qui me va très très bien. Donc finalement, cet équipage est peut-être pas si mal. Mais je me sens pas encore prêt à refaire une mission rouge de sitôt. Donc on va juste continuer à farmer un petit peu l'XP sur du vert et à la limite du bleu. Pendant qu'on améliore notre avion pour au moins arriver à où on était avant, quoi. Ok, nouvelle mission. Oh merde, 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 merde. Boum. Alors, faut absolument qu'on empêche les V8 de décoller. Alors, par contre, 8 sur 8, ça veut dire que j'ai déjà empêché... Bah ouais, si c'est déjà coché, ça veut dire que je les ai déjà empêchés de décoller. C'est étonnant, ça. Vu que je n'ai a priori rien de fait de particulier. Mais bon, admettons. Concentre-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Habituel, il est plus précis quand il se concentre. Mais alors là, il fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Par ailleurs, avec tout l'argent que j'ai récolté, j'ai uniquement investi dans du... Ah non, un missile. Je l'ai uniquement investi dans de l'équipement pour les soldats. On verra si j'ai eu raison ou pas. 7 sur 8, c'est-à-dire que j'en ai raté un. Je sais pas. Ouais, parce que comme ça, notamment, les mecs qui sont à l'arrière sont beaucoup plus protégés. On verra bien ce que ça donne, vous voyez qu'ils sont tous, ils ont tous exactement le même équipement sauf lui. Et notamment, je leur ai donné du thermique et de la chaleur, ce qui fait que si j'ai besoin de monter en haute altitude, désormais, je peux. Donc ça va clairement valoir le coup. Et du coup, un grand merci à Thomas qui m'a donné pas mal de conseils sur l'équipement qu'il me conseillait de prendre. Allez. Peut-être que si je détruis tous les sites, après tout, ils ne pourront pas les lancer. Donc on verra bien. Hop, de toute façon, il y a 5 bombes, donc... Ouais, j'ai pas loin à l'erreur, quand même. Hop, super. Hop, et 2, 3 sites détruits. Et eux, ils sont à la traîne. Ils ont pas réussi à me rattraper. Ça, c'est super. Bon, ça me fait moins d'XP, mais ça me fait moins de danger aussi, donc je prends. Oui, aïe. Là, j'essaye de monter. Je pense que ça va aller, mais... Allez, allez, tuez-le. Oh, il y a peut-être moyen d'avoir. Ce serait vraiment bien de le terminer et je pense qu'on serait bon après. Paf. Je suis en train d'essayer de monter en haute altitude. Notamment pour essayer d'éviter ces gars-là, ça pourrait être pas mal. Pour le reste, hop, on a réussi la mission. Il y a quelques V1 qui ont été. Il y a deux V1 qui ont réussi à nous passer entre les doigts. Mais c'est tout, donc ça je peux vivre avec après tout. On a réussi à empêcher tous les autres. Lui, forcément, il voit rien. Et heureusement, je vois où est ma piste d'atterrissage. Et pour l'instant, ça va, j'ai de la marge. Sachant que je crois que eux ne pourront pas me suivre si je passe en altitude haute. Je crois que c'est un peu tout l'intérêt. On verra bien. De toute façon, ils ont l'air de... Ouais, il a l'air de se barrer. Ok, très bien.
Eh bien, je vais sans doute redescendre parce que... Ah oui, tiens, en température, vous voyez qu'il fait très 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 froid. Et on n'a pas d'oxygène, mais alors normalement, il en reste. Je sais pas où on peut voir ça. Ou est-ce que c'est pas l'histoire où s'ils sont à leur place, ils ont tout le temps de l'oxygène, quelque chose comme ça? Ou est-ce que ça leur bouffe la réserve d'oxygène? Je sais pas trop comment ça marche. Allez, on va faire une plongée, on va passer en bas parce qu'on se rapproche vraiment vraiment de notre point d'arrivée. Ah bah voilà Londres d'ailleurs, juste là. Oh là, les mecs se font dézinguer. En fait, on n'a pas besoin de tourelles beaucoup plus puissantes, on a juste besoin de gars de plus haut level et c'est suffisant. C'est pour ça, c'est vrai que je me dis que avoir des gars, enfin garder ces mecs, c'est quand même assez important. Alors, toi, du coup, tu peux descendre. Alors, on peut tirer de là, enfin lâcher de là. Ah ouais, non, c'est compliqué. On voit pas vraiment où on va. Donc, je vais quand même descendre en altitude. Un bon petit piqué des familles. Oh, ce qu'on a pris là. Ils ont fait un petit passage. Ils ont détruit deux de nos moteurs. Hop. Du coup, ça, on est bon. Ferme les portes. Remonte. Bah écoutez, pendant qu'on est là... Non, en fait, tu vas redescendre. Et toi, tu vas remonter ici. Il me semble en plus que... Tiens, pas ceux de l'incendiaire. Ça leur fera les pieds. Là, on a l'Ace. Hop, donc on va pouvoir s'occuper. Ouh, ça sent mauvais, là, d'un coup. Hop. Faut qu'on revienne ici. Là, on est en train de réparer le système électrique, mais... Pas possible ça. Y'a personne qui tire au-dessus? Bah qu'est-ce que tu fais toi? Je devrais peut-être faire du défensif là aussi. Ça pourrait avoir un sacré intérêt là tout de suite. Toi remonte. Ouais, là c'est pas. Alors lui au moins il a pris cher. Si je pouvais le finir, ce serait vraiment idéal. Ok, ça c'est bon. Donc tiens, va sauver ton pote. Hop, plus de munitions, allez, 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 allez. Oh, c'est chaud. Marquage auto, là j'ai pas le temps de faire autre chose. Derrière, ils prennent vraiment cher, toi. Tu vas là. Toi, ouais. Et toi, faut que t'ailles, hop, là, et... Oh, il est presque mort, il est presque mort. Faut pas le louper. Vite, 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 vite. Allez, mais non, c'est pas sûr. Allez, tuez-le. Il est tellement proche. Toi, tu peux tirer que sur lui et malheureusement lui il peut pas se concentrer. Ah, je suis sûr qu'on peut l'avoir. Ah, mauvaise tactique, tu passes en dessous de moi, très bien, tu vas mourir et bim, ça c'est super, ça c'est ce qu'on avait envie de voir avec un achievement carré d'as en plus. Ah bah oui, c'était le quatrième. Hop, voilà, on va réparer un autre moteur. Les moteurs vont pas super bien là, faut dire ce qui est. Hop. Je sais pas, est-ce que ça vaut le coup de monter en haute altitude? Je pense pas, parce que je pense que je suis assez proche de ma... Bah, what? Ah oui, non, toi retourne là, c'est bon, t'es soigné. Toi, concentre-toi. Toi, je suis limite tenté de le ramener là, parce qu'il a vraiment pris cher, mais on va attendre un tout petit peu. Toi, reviens par ici. Oula, toi, oula! Non, non, on a quand même besoin de la carte. Toi, plutôt que de tirer... Tu vas venir piloter un petit peu parce que regardez notre pilote ce qui lui restait. C'était ridicule. Crois qu'on est... Oula non, j'allais dire je crois qu'on est bon mais en fait pas du tout. Bah... bah écoute, c'est quoi... Qu'est-ce qui est en train de conduire? Ah oui. Ah oui parce qu'on est en altitude haute, très bien. Bah on va redescendre. Je sais pas du tout où je suis en fait. Ah oui d'accord. Ah mais ils m'ont suivi jusque là, c'est fou. Ah, les mecs veulent pas me lâcher, c'est fou! Allez, allez, allez! Tuez-les! Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je prends cher, c'est incroyable! Les mecs, je leur ai mis des armures de bourrin, ils ont une défense ridicule et ils sont en train de se faire dégommer. Non, je sais pas pourquoi je veux. Parce que je veux monter maintenant. Ok, cool, il y a une explosion en plus, donc il en reste 3. Putain, il en reste quand même 3. Hein. Allez, concentre-toi, concentre-toi. Putain, c'est incroyable, j'arrive pas à croire qu'il survive aussi longtemps. Bon, ceci dit, j'arrive pas à croire que moi aussi je survive aussi longtemps, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Ben, c'est fou, à chaque fois que je viens pour atterrir, le système hydraulique bug, il va falloir que je le répare bientôt. Ceci dit, là, vraiment, ça a été bien équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment où je me suis
tout pris dessus, et donc du coup, j'ai pu genre aller soigner le mec et tout. Donc globalement, voilà, je m'en suis sorti. J'ai tué un as en plus, ça c'est super. Donc c'est mon quatrième du coup, donc bah, il en reste 4. Super, génial. Donc là, j'ai 16 000. Oh, ça c'est super, je vais pouvoir tellement me faire plaisir. En théorie, j'ai plus d'équipement à leur acheter, à eux. Je leur ai acheté tout l'équipement que je voulais. Donc du coup, tout va être pour pour l'avion. Donc ça, c'est super. Hop. Ouais. Alors, avion, j'ai rien débloqué de nouveau, mais il y a des trucs que je voulais acheter. Notamment, je prendrais bien une toile de queue à 303 x 4. Parce que du coup, je vais tirer énormément, mais c'est pas grave parce que j'ai la bande de munitions. Alors par contre, voilà, ça me coûte 6500. Je pense que ça vaut le coup. Donc ça, c'est suffisant pour le tir. Même si du dorsal avec ça, ce serait très intéressant. Oh, ce serait intéressant. Ça coûte combien, 3500? Il me resterait 6500, faut voir, parce que j'aimerais bien prendre, genre, système hydraulique, au moins du Mark 3, je pense. Donc ça fait... C'est quoi l'idée? Plus faible... Ah ouais, c'est juste plus de dégâts, d'accord. Un réservoir de carburant, pour l'instant, j'ai jamais trop eu de problème. Fuselage, donc j'ai mis du Mark 4... Non, je croyais que j'avais mis du Mark 5 à l'arrière. On va mettre du Mark 5 à l'arrière et du coup on va quand même mettre, hop, en dorsale, tac, on va mettre celle-là, ce qui fait que j'ai plus de dégâts par seconde. Par contre j'ai des plus petites munitions, mais c'est pas grave. Boum. Bon, c'est pas mal, donc là on a pas mal de dégâts, mais pas que, parce que c'est quand même important de faire le reste. À terme je vais vouloir améliorer ça, parce que je me suis rendu compte que mine de rien, c'est pas tant leur faire des dégâts qui est compliqué à mon niveau, c'est vraiment juste de survivre en fait. Oh, dégâts ennemis réduits, parfait, ça fait longtemps que j'ai payé de bonus de gens. Quoi? Ouais. Mais... Douglas est tombé, mais je sais pas pourquoi, je l'ai vu tomber, je ne sais pas pourquoi il est tombé. Il était en train de réparer le moteur, ça se trouve, il s'est fait toucher, il est tombé. What? C'est abusé. Très bien, bah écoutez, bon bah j'ai perdu mon mécano, c'est dommage, il était très très bon quand même. Bon, je crois qu'on se débrouille pas trop mal, à part pour ça. Ouais, concentre-toi, toi vas-y monte, parce qu'il y a visiblement rien à faire en bas. Et oh bah ouais, c'est pas mal. Il en reste quand même 3. Va falloir... Ouh, et ouais, non, c'est... tiens, vas-y, toi, il n'y a pas besoin de toi pour l'instant, a priori. De toute façon, on a l'air bon. Ouais, ça va, on a l'air d'être bien. Ouais, du coup... ah bon, on va aller se poser, parfait. Ouh, j'ai failli faire une manœuvre, mais le mec est à l'extérieur en train de réparer. Et toi, du coup, viens là pour égaliser. Ah ouais, carrément. Ok, on va s'en sortir. Bon, enfin, tout le monde va s'en sortir, sauf le mécano. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Oh, j'ai jamais été aussi haut. Par contre, je sais pas pourquoi l'oxygène n'a pas l'air content. Il y a un truc rouge, en tout cas. Il y a une lumière rouge. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on se repère très très bien par rapport aux étoiles. Après, je pense qu'il est temps de descendre, en vrai. Si on regarde un petit peu la carte, on se rapproche de notre objectif. Par contre, pour l'instant, eux, ils n'arrivent pas à nous suivre, donc c'est plutôt pas mal. Lean, et on va faire... on va repasser au moins en moyen. Sachant qu'en plus, pour larguer les provisions, il va falloir être à basse altitude. Donc même en moyenne, ce sera pas suffisant. Mais bon, je me réserve le droit de faire un petit plongée à la dernière seconde. Juste, s'ils pouvaient éviter de tous nous tout mettre sur même... Ah non, les autres, on les a carrément paumés, d'accord. Très bien, ça me va. Bon, cette mission-là était vraiment tranquille. Le retour a été très très long, notamment parce que j'étais à très haute altitude, donc pendant un bout de temps, je suis allé dans le mauvais sens. Mais ouais, à part ça, c'était vraiment très facile. Pourtant, c'était une mission... Je crois qu'elle était censée être difficile, celle-là. Et en plus, il y avait une chance qu'il y ait un ace, ce qu'il n'y a pas eu. C'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas si difficile que ça, au final.
Ouais, donc j'ai eu quelques mecs au début, et puis après, pour sur tout le retour, en fait, personne. Ça, c'était plutôt stylé. Hop, boost plus, oui, tu m'étonnes, très bien, quitter. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mon avion? La survie, ça pourrait être très tentant. Matériel, ouais, il n'y a pas de. Il n'y a rien à l'avant, donc je vais peut-être mettre ça à l'avant. Oh, t'es sérieux? Limite de poids déjà. Je peux mettre un moteur blindé Mark 5, ça me bouffe beaucoup beaucoup de ressources, mais bon. Parce que les tourelles, je suis plutôt satisfait pour l'instant. Les systèmes, ça va. Même un extincteur Mark 3, ce serait pas trop. Quand même faire ça, et du coup, ouais, matériel, genre, tac. Paf, paf, paf. Après, je pourrais mettre quelques gilets de. Enfin, parachute, dans le sens où. Je trouve que 7 c'est beaucoup quand en tout j'ai 12 emplacements. Mais ceci dit, si j'en suis au point où je suis obligé de sauter, je pense qu'il n'y en a pas 7 qui sont debout, il y en a peut-être 5. Donc ouais, 5 c'est déjà beaucoup plus jouable, je trouve. À voir. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode. On a fait du bon boulot, on a réussi à remonter la pente. Et on a en plus les dégâts ennemis réduits. Donc je pense que. Dans le prochain épisode, on devrait faire. Où il y a un pilote. De. Non, on va pas faire un pilote de. On va pas faire la mission critique avec un pilote de chasse. On va plutôt faire une des deux autres. Ouais, on va faire une des deux autres pour essayer de tuer un pilote de chasse en plus, sachant qu'il en reste que. Bah là, il y en a deux. Ouais, si on arrive à tous les tuer, ce serait absolument génial. Ça veut dire qu'a priori, après, ils nous laisseront tranquilles. À voir. Mais tout ça, ce sera pour l'épisode 11. Allez, à très bientôt. Bye bye.